Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler d'un achat très récent que j'ai fait. C'est mes enceintes Herman Cardon. Pour ceux qui connaissent en audio, c'est une des très 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 grandes marques, hein. C'est pas une petite marque chinoise qui va débarquer sur le secteur. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre les marques chinoises, ils font des très bons produits et puis ils amènent plein de choses à la concurrence dans le fait qu'ils tirent les prix vers le bas tout en donnant de la qualité. Mais là, Herman Cardon, c'est vraiment, tu vois, c'est comme tu dis, de l'horlogerie de luxe, et ben bah, c'est de l'audio de luxe, hein. Donc en fait, je recherchais des enceintes, tu vois, j'aime bien avoir de la musique à la maison. Et donc je suis parti en boutique et je suis tombé sur un vendeur qui m'a super bien conseillé. Je lui ai dit, écoute, je veux des enceintes, un truc qui prenne pas trop de place, qui soit esthétique à la maison. Alors au début, il a commencé à me montrer toutes les grosses enceintes de chez JBL. Et il me faisait écouter, et puis le son, tu sais, je le trouvais étouffé. Alors, je vais t'expliquer c'est quoi le problème. Et peut-être ça va t'aider. Si tu veux acheter des enceintes, et que toi, tu sais très bien que tes enceintes, tu vas jamais rentrer à la piscine avec, ou que tu sais très bien que tu vas pas faire comme les mecs dans les années 80 qui marchaient dans la rue avec un poste sur les épaules pour avoir de la musique pendant qu'ils marchent dans la rue, si tu fais pas ces deux choses-là, rentrer dans la piscine et te balader avec la musique à donf en marchant, oublie toutes ces baffes qui sont transportables, que tu dis ouais, si un jour je vais en pique-nique, c'est pratique, ça sert à rien. Et en plus, le son, il est étouffé. La résonance, elle est étouffée. Donc je lui dis au mec, je dis, mais moi, j'aime pas tous ces trucs. Et je dis, je veux un son pur, je veux un son de malade, un son qui me fait kiffer. Il me dit, oui, mais alors ça sera du filaire. Je lui dis, mais moi, je vous ai jamais dit que je voulais quelque chose de sans fil transportable. Moi, c'est pour chez moi. Je lui dis, c'est pour chez moi. Je vais pas aller en randonnée avec. Il me dit, bah alors attendez, bah, je vais vous donner la Rolls. Et là, il me sort les Herman Cardon. Il me fait écouter le son, mais c'est un truc de fou. Alors, je vous fais pas un test son ici parce que, en somme toute, c'est le son que vous allez écouter par mon micro. Et ça va être le son que vous allez avoir en fonction de où vous écoutez cette vidéo. Donc, ça sert à rien. Mais, oh là là, c'est une tuerie. Hein. Ces enceintes, elles ont été exposées à Londres dans un musée déjà, rien que tellement qu'elles sont belles, point de vue design, c'est un truc de fou. Mais là, vraiment, faites-moi confiance, allez-y les yeux fermés, parce que chez Claudio, c'est quelque chose de subjectif. Ça peut pas être pareil pour tout le monde, c'est les goûts et les couleurs. Mais là, en l'occurrence, si, les Herman Cardon, c'est le son, c'est le top du top pour un budget, mais alors vraiment pas cher, pour la qualité que c'est. C'est un truc impressionnant. Et il monte, le son, tu peux le monter, ça sature pas, c'est un truc de fou, c'est un objet de luxe. Donc vraiment, ça, c'est mon coup de cœur de cette année-là. Les baffes que j'ai achetées, j'en suis heureux, mais à un point, je le bénis tous les jours, le vendeur là-bas. Et puis, ça fait plaisir de tomber sur des vendeurs professionnels. Et j'ai dit, il faut que j'en parle sur ma chaîne pour justement les collègues qui veulent acheter des bonnes baffes et puis qui tombent pas dans le panneau d'acheter tous ces trucs JBL, tous les trucs qui se transportent, qui sont très bien hein, quand tu te déplaces, quand tu pars en voyage. Mais bon, moi, quand je pars en voyage, j'aime pas embêter les gens, je préfère écouter la musique dans mon casque. Mais bref, elles sont très bien. Mais le son, il sera jamais aussi bien que dans des enceintes filaires. En plus, elles ont un design de fou. Donc vraiment, Herman Cardon, je recommande à 2000%, je te mets le lien sous la vidéo. Fais-toi plaisir, c'est le top du top. Et moi aussi, vous allez me bénir si vous les achetez. Quand vous allez voir le son qui délivre, c'est quelque chose de magique. Allez, à bientôt les amis. Partagez la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se voit très bientôt pour la prochaine vidéo.